ce livre de vos sollicitations qui doivent certainement être nombreuses en ce moment. Bien, nous avons souhaité nous entretenir avec pour avoir un échange à travers quatre questions notamment. Premièrement, ces journées de l'assurance, pourquoi avoir attendu si longtemps pour les organiser maintenant lorsqu'on sait que les produits d'assurance sont commercialisés dans notre pays depuis très longtemps? Pourquoi avoir attendu assez longtemps? Je ne crois pas qu'il faut regarder dans ce sens, pourquoi attendre. Il faut commencer quelque part. Nous avons tout simplement essayé. Je crois que c'est question d'initiative. Le besoin était là. Nous avons peut-être ne pas attendre. Peut-être on faisait avec d'autres moyens. Mais nous avons cette fois-ci décidé d'aller vers le public ensemble. Je crois que c'est la première fois. Je crois que peut-être vous allez demander mes sentiments. Mes sentiments sont très bons. C'est la première fois. Et nous allons tirer les leçons. S'il y a des corrections, nous allons certainement prendre ça pour les prochaines éditions. Merci, M. le Président. Notre prochaine question porte sur une préoccupation générale du public qui est le non-paiement des sinistres par les assureurs ou alors le manque de célérité dans ce paiement. Alors que répondez-vous à ceux qui disent que l'assurance équivaut à un euro? Et quelles sont les mesures que vous prenez déjà à votre niveau, au niveau de la SAC, pour enrayer ce phénomène et laver ainsi l'image de l'assurance? Oui, la première chose, c'est qu'on ne peut pas cautionner que les assureurs ne règlent pas les sinistres. Ça, c'est notre raison d'être. Donc, toute compagnie, si ce sont des sinistres justifiables, ces sinistres doivent être réglés. Donc, je crois que c'est voilà le début. Nous avons peut-être commencé à communiquer. Je ne veux pas répondre à cette question. Ça sera comme si on est en train de vouloir défendre une position. Mais je crois que si vous ne connaissez pas un métier, ce genre d'incompréhension, c'est au rendez-vous. Et je crois que maintenant, quand le public commence à comprendre exactement les droits, et je crois que les choses normalement devraient changer. Écoutez, imaginez que l'année prochaine, on a ce genre d'événement et il n'y a pas eu d'amélioration. Je crois que, n'est-ce pas, ça sera encore plus grave. Donc, moi, je crois que, première chose, toute compagnie doit régler les sinistres, mais que ce soit des sinistres justifiables. Merci, M. le Président.